par le régime marocain et nous reconnaissons le droit du peuple sahraoui et du Front Polisario en tant que leurs représentants à la légitime défense de leur population, de leur territoire et du droit à l'autodétermination qui est garanti par toute la légalité internationale et les accords de paix. On a déjà insisté dans les interventions précédentes sur les responsabilités de la communauté internationale, de la France, de l'Afrique, et par conséquent, le retour au conflit armé est aujourd'hui un scénario trop plausible. Si des responsabilités se présentent, il faudra les chercher parmi ceux qui n'ont rien fait ou qui ont directement mis des bâtons dans les roues d'un processus de décolonisation incomplet qui a encore un référendum et de nombreuses dettes en suspens, et que personne ne se cache dans une communauté internationale aphone. Nous réitérons notre engagement envers le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et nous travaillerons dans les prochaines semaines avec le mouvement de solidarité, le Front Polisario, pour organiser une réponse citoyenne dans notre pays qui fera pression sur le gouvernement pour qu'il change sa position et mette fin au soutien historique que tous les gouvernements, sans exception, ont apporté jusqu'à présent au régime marocain et à l'occupation. Face à l'occupation de la guerre au Sahara, avec le peuple sahraoui, pour son droit à l'autodétermination et à la fin de l'occupation. Vive l'autodétermination des peuples! Vive le Sahara occidental libre! Merci beaucoup. Et on a fini officiellement des partis politiques. Les Syriens aussi, c'est pas si l'oublier. C'est vraiment enfin solidaire, montrer qu'on est solidaire avec le peuple du Sahara. Il y a quelques. Tout le régime marocain, vive la solidarité avec le peuple palestinien contre les Israéliens. En fait, je ne sens pas que je suis en train de porter un drapeau sahraoui. On dirait un drapeau palestinien. On dirait qu'on a l'habitude de comparer les choses. Voilà. Ce n'est pas par hasard. Il y a le droit d'autodétermination du peuple accordé pour les Palestiniens et pour le peuple sahraoui. Vive la solidarité ensemble. Brisons les frontières. Brisons les frontières. Vive, vive la solidarité avec le peuple sahraoui. Vive, vive la solidarité avec le peuple sahraoui. Merci beaucoup. On appelle les camarades Atoum, camarades kurdes. Ratoum lana lil musharaka fi hadhihi al waqfa al tadamaniya ma al shaab al sahraoui al shaqiq. اسمي عزيز كالو ممثل الجمعية الثقافية الكردية في جنيف تحية نضالية وأخوية يمر العالم في أوقات عصيبة تحت ظل تداعيات تفشي وباء كوفيد-19 المستجد والكل في انتظار العلماء للوصول إلى لقاح فعال وعلاج ناجع للقضاء على هذا الفيروس القاتل وفي المقابل هناك من يصارع من أجل البقاء والتمسك بالحياة الكريمة كالشعب الكردي في سوريا والعراق وإيران وتركيا والصحراويين ومن البديل ان الصحراويين ليسوا وحيدين في كفاحهم العدل من اجل الحريه والاستقلال ونحن والجميع النساء والرجال والتواقين للعدل والحريه والفعاليه الحقوقيه في العالم يرافقون الشعب الصحراوي الشقيق بالتطلعات المشروعه للعيش بكرامه وحريه الى غايه النصر النهائي صحيح ان قضيه الشعب الصحراوي اصبحت على مفترق الطرق لا سيما بعد احداث والانتهاكات الاخيره لحقوق الانسان الا صمود والنضال هذا الشعب يلزمنا ان نقف معه ومن هنا أدعو المجتمع الدولي وهيئاتها الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة إذا ما قد يحدث جراء التماطل الأمم المتحدة في تمكين الصحراويين من حقهم الشرعي في الاستفتاء لتقرير مصيرهم. نحن في جمعية كردية وباسم الشعب الكردي في جنيف نقف مع كافة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها حقوق الشعب الصحراوي الشقيق. ميرسي بوكو. شكرا جميعا. حرية حرية.